Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Ces deux équipes se retrouvent, elles se sont déjà affrontées plus tôt dans la saison. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je pense à Toni Kroos. C'est vraiment un milieu de terrain moderne. Ses passes sont souvent parfaites et elles amènent souvent des buts. D'accord, merci pour ce petit pronostic, on va voir maintenant. Soldado. Madrid, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Quelle fait du bien cette interception! Torrejón. Quel tacle! Oh, Cristiano Ronaldo! Madrid, qui est l'une des meilleures défenses du championnat ces derniers temps. Ça fait désormais 5 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo. Torrejón. Cheryshev. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Le ballon sur l'autre aile. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Isco. Dans le dos de la défense. Ça pourrait être dangereux. Il file vers le but. Sauvé par le poteau. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Quel ballon en profondeur! Super vista pour trouver son partenaire. Bale! Il tente de la jouer dans l'espace. Eh non, hors-jeu. Ouh là là là, c'est juste, il est quasiment sur la même ligne. Le gardien loin devant. Isco qui cherche la faille. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. C'est centré dans la boîte. Quel timing dans l'interception. Et c'est la pause ici. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Madrid, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. Il la tente. Quel but! Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et avec cette réalisation, il n'est plus qu'à un but du leader du classement des buteurs. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Bien, c'est reparti. Ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Il choisit là-bas, sur l'aile. Ballon dans la surface. Oh, l'interception! Ah, finalement, un centre qui ne donnera rien. Ah, c'est un mauvais centre, ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche! Dans le dos. Ah, et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire... Et c'est un but! Il compte maintenant une avance de 2 buts. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement.
Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. C'est suicidaire. Et le doublé. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. C'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Il le suit comme son ombre. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Bonera. Oh, c'est repoussé! Premier corner dans cette rencontre. La tête! Oh, l'énorme occasion de la tête! Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Une très longue passe. Moussakio. Il relance côté droit. Cristiano Ronaldo, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. C'est joué long, attention. Ça sent la frappe. Le bon dribble. Aucun danger pour le gardien. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Une très grande ouverture dans le dos de la défense. Cheryshev, il a de l'espace. Il a tenté, bien joué. Il est passé. Oh, la frappe! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Minutes de temps additionnel. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Raphaël Varane, c'est joué long. Toni Kroos qui choisit le côté gauche. Dans la boîte. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Ses coéquipiers viennent prendre de ses nouvelles. Danger écarté. Oh, Cristiano Ronaldo. Moussakio. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre.
Victoire méritée, pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe, et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite, à bientôt.